Un an et demi, Marvel est de retour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Marvel. Enfin, après plus d'un an et demi sans nouvelles de Marvel, enfin, on a des news, enfin, on a des dates, enfin, on a le retour de cet univers plus qu'incroyable. Un calendrier qui est vraiment très complet jusqu'à 2022 minimum, avec des dates plus ou moins officielles. Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça, avec un format un petit peu différent de ce que vous avez pu voir sur cette chaîne durant les deux dernières années. Le format voix off a été modifié, mais je n'ai pas encore une version finale à vous proposer. Donc, on part sur un format plus classique, notamment celui qu'il y a eu sur le premier épisode Cap News qui est sorti l'année dernière. Un partage d'informations, mais là on parle d'un sujet très important, c'est le retour de Marvel, c'est pas n'importe quoi. Sans plus tarder, traitons de tout ça. Premier point, on l'a déjà évoqué sur cette chaîne à plusieurs reprises, Marvel pour la phase 4 du MCU nous a proposé des séries. Qui dit streaming dit forcément plateforme de visionnage comme Netflix, Amazon Prime. En l'occurrence ici, il s'agit du Disney+, donc on aura plusieurs projets de Marvel qui apparaîtront sous forme de séries. Au moment où je tourne cette vidéo, le premier projet de série est déjà sorti, il s'agit de Marvel Studios Legends. Une mini-série basée sur les meilleurs moments des personnages qu'on va suivre tout au long de l'année. Pour vous donner un exemple, le premier épisode était basé sur Wanda et Vision, parce que la première série de Marvel, c'est Wanda Vision. Ce n'est pas une série inédite, c'est une série qui va nous montrer les meilleurs moments de chaque personnage depuis 2008. Des moments qui nous ont marqués depuis le début du MCU et qui resteront légendaires. Les choses sérieuses commencent maintenant, puisqu'au moment où vous voyez cette vidéo, on est deux jours avant la première diffusion de cette nouvelle série, Wanda Vision. Sortie qui était de base prévue en novembre 2020 mais qui a été repoussée en janvier 2021. Mais il faut déjà savoir que WandaVision n'était pas censée être la première série à ouvrir la phase 4, mais bien la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. En vue des différents décalages, ils ont décidé finalement de sortir WandaVision comme première série du MCU. La sortie est donc prévue deux jours après cette vidéo, soit le 15 janvier 2021. Avec les dernières news de Marvel, on sait qu'elle va durer exactement 9 épisodes et qu'on en aura deux le premier jour, donc vendredi on aura deux épisodes de WandaVision. La série commencera donc le 15 janvier et se terminera le 5 mars 2021. Évidemment, pour toutes les séries et films dont je vais vous parler ici, je vais faire des vidéos analyses, théories, tout ce que vous voulez, donc on va pas trop en parler là. Cette vidéo c'est vraiment pour vous donner les dates, mais après il y aura plein de vidéos analyses, ne vous inquiétez pas. Mais il ne nous faudra pas attendre très longtemps pour une nouvelle série. D'après la com de Marvel Studios, chaque épisode de Marvel Legends, donc la mini-série qui présente les personnages, les meilleurs moments, chaque épisode sortira une semaine avant le premier épisode de la série annoncée. En l'occurrence, WandaVision se termine le 5, mais étant donné que la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver est annoncée pour le 19 mars, il est facile de deviner que le 12 mars, une semaine avant, on aura le deuxième mini-épisode sur Marvel Legends, épisode qui sera centralisé sur les meilleurs moments du Faucon et du Soldat de l'Hiver. Aucune semaine de repos et le 19 mars vient la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Une série qui sera composée de 6 épisodes. Contrairement à WandaVision, pour l'instant on n'a pas d'informations sur un potentiel 2 épisodes par semaine, donc ça sera vraiment 6 semaines, 1 épisode. Elle commencera donc le 19 mars et se terminera le 26 avril. Si vous êtes fan du MCU, l'intrigue vous la connaissez, c'est forcément le Faucon qui reprend le bouclier du Captain. On va suivre ses aventures aux côtés du Soldat de l'Hiver. Et là on va commencer à se poser des questions, mais où sont les films Marvel? On y arrive enfin, les deux premiers projets de la phase 4 du MCU c'était des séries, mais les films, ils sont là. Le premier vous le connaissez, il a été décalé de 1 an, Black Widow. Bon, je vais pas vous en parler plus que ça, le film sort le 5 mai 2021 dans nos salles de cinéma si elles sont réouvertes. Gros film attendu évidemment, parce que c'est le premier film qui va ouvrir la phase 4 du MCU. On va traiter d'un personnage qui, spoiler, a disparu, qui devrait déjà nous présenter une autre facette du personnage de Black Widow et qui devrait répondre à plusieurs questions qu'on se pose autour d'Avengers Endgame. On a donc un gros film qui sort le 5 mai, ça serait bizarre de voir autre chose sortir, mais Marvel a vraiment décidé de combler chaque jour, chaque semaine de l'année 2021, annoncé pour arriver courant mai 2021 la série Loki.
Personnellement, c'est la série que j'attends le plus puisque c'est le personnage qui va apporter tellement de réponses à énormément de questions qu'on se pose autour des pierres d'infinité et de leur impact sur le temps. La série Loki est annoncée pour courant mai 2021, on n'a pas encore de date officielle. On sait qu'elle sera composée de 6 épisodes, un par semaine. Et évidemment, l'intrigue, c'est vraiment la plus intéressante. On retrouve le Loki qui a disparu de Avengers Endgame. Il se fait entre guillemets capturer par les protecteurs du temps. En gros, ces mecs-là, ils surveillent si tu fais pas des conneries sur les événements historiques. Et étant donné que Loki, il arrête pas de se téléporter et qu'il fait un petit peu n'importe quoi, ben forcément, à un moment donné, ça lui tombe sur le crâne. Comme dans le film Avengers Endgame, on va réassister à des événements très importants du MCU, vu par les yeux d'un méchant plus qu'emblématique. Vraiment, ça va être incroyable. Rendez-vous en mai 2021. En fonction de quand est-ce que se terminera la série Loki, on aura un mois de juin plus ou moins rempli, puisqu'après la série Loki, il faudra attendre le 7 juillet pour avoir un nouveau projet. Là, il s'agira d'un film dont on n'a pas beaucoup d'informations à l'heure actuelle, à part sa date de sortie, Shang-Chi. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? On sait que ça va reprendre la légende des 10 anneaux, mais on n'en sait pas plus, donc à voir. Une série un petit peu plus intéressante, mais qui ne rentre pas vraiment en compte dans la phase 4 du MCU, What If. What If, ce sera la première série animée de Marvel Studios. Le concept de la série est basé sur si tu prends un événement du MCU et que tu le changes, qu'est-ce qui se passe? Pour vous donner un exemple, le premier épisode sera basé sur et si Captain America avait été une femme anglaise. C'est clairement une série qui va nous montrer qu'est-ce qui se serait passé si telle ou telle chose était différente de ce qu'on connaît à l'heure actuelle du MCU. Elle n'aura aucun impact sur la phase 4 du MCU, mais je trouve que la série sera intéressante. Là, c'est le drame. Septembre, rien de prévu pour Marvel, il faut attendre octobre avec le film Eternal. Pareil, ce film a subi un an de décalage puisqu'il devait sortir en octobre 2020, donc il faudra attendre le 3 octobre 2021 pour voir ce film. Un des films les plus attendus du MCU dans le sens où on va traiter de l'espace. Dans ce film, on devrait a priori revenir aux origines des pierres d'infinité, donc vraiment, il y a de quoi être hypé. On n'a pas plus d'informations sur le film à part sa date de sortie. Rendez-vous le 3 octobre 2021. Pour en finir avec les annonces officielles, pour finir 2021 de la meilleure des manières, Spider-Man 3. Alors si vous êtes fan de Spider-Man, vous savez tout ce qui se passe autour de ce troisième film qui est prévu pour le 15 décembre. Pour éviter tout spoil, je vais pas en parler ici. Pour vous donner un ordre d'idée de hype, on est sur un Avengers Endgame, littéralement. C'est le film Marvel le plus attendu de l'année 2021, mais on va se prendre une de ces claques. Pour finir l'année 2021, vraiment, je pense qu'ils ont mis la barre très haute et ils pourront pas faire mieux, clairement. Rendez-vous le 15 décembre pour découvrir Spider-Man 3. On en a fini pour 2021, on va maintenant traiter de 2022, même si là les dates sont moins officielles, il n'y a aucune date sûre. Il y a quand même des choses intéressantes qui vont sortir toute l'année, à commencer par le mois de janvier qui devrait voir apparaître la série Miss Marvel. Série basée autour d'une super-héroïne hyper fan de Captain Marvel, qui veut tout mettre en œuvre pour la ressembler, la rencontrer. N'ayant pas une date de sortie officielle, cela peut changer, puisqu'il y a une autre série qui devrait sortir dans ces eaux-là, Hawkeye. La série Hawkeye qui sortira sur le Disney+, qui devrait voir Clint Barton, qui devrait donner la relève à son apprenti Kate Bishop pour laisser l'arc à la maison et prendre sa retraite. Série prévue aussi pour janvier-février 2022 à peu près. 23 mars 2022, on arrive sur un des films les plus attendus de la phase 4 du MCU, Doctor Strange 2. Le titre du film Multiverse of Madness confirme l'arrivée du multiverse dans le MCU. On pensait déjà que ça aurait été le cas dans Spider-Man 2, du coup on s'est fait avoir. Là c'est assez officiel vu que le titre comporte le mot multiverse. On sait que Doctor Strange dans ce film sera aux côtés de Wanda, donc vraiment tout est lié. J'avais surkiffé le 1, je pense que je vais surkiffer le 2, surtout quand on parle de multiverse, moi ça me touche particulièrement. À mon avis, accrochez-vous, 23 mars on va en prendre plein la gueule. 4 mai 2022, encore plus attendu que Doctor Strange 2, Thor 4. C'est le seul super-héros qui aura eu plus de 3 films à l'heure actuelle. Captain America, on s'est arrêté à 3. Iron Man, on s'est arrêté à 3. Thor, c'est son 4e et a priori le dernier. Prévu pour le 4 mai 2022, on retrouve notre cher Thor qui devrait être accompagné des Gardiens de la Galaxie selon les rumeurs. Un des personnages les plus aimés de la saga du MCU, donc vraiment, je pense qu'on va passer un bon moment. On n'a pas trop d'informations sûres et officielles sur le film, mais ça sera un bon film. Ça, c'est une certitude. Contrairement à 2021, on enchaîne les films en 2022, 6 juillet, Black Panther 2. Alors là, forcément, on n'a aucune information sur ce que va être ce film étant donné les récents événements et la perte notamment du Black Panther de base. Je ne connais pas grand chose de ce personnage dans les comics, donc à voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais d'ici là peut-être que Marvel nous apportera des précisions sur ce qui va se passer dans ce film. Et pour terminer avec les films qui vont sortir courant 2022, il y a aussi Captain Marvel 2 qui est actuellement prévu pour le 6 juillet 2022. On sait d'avance que ce film devrait se passer dans le présent après les événements d'Avengers Endgame, puisque le personnage de Kamala Khan, autrement dit
dit Miss Marvel devrait apparaître dans le film. On sait de sources sûres que la série Miss Marvel se déroule après les événements d'Avengers Endgame. Je n'ai absolument aucune idée de l'intrigue qui sera dans le film Captain Marvel 2, mais je suis évidemment très hype. Avec des dates moins officielles, on a aussi l'arrivée de la série She-Hulk qui devrait arriver courant 2022. Une série qui mettra en avant la cousine de Bruce Banner qui se transforme en Hulk géant elle aussi. Un peu plus tard ou un petit peu avant, on aura aussi la série Moon Knight qui devra apparaître sur le Disney+. Un grand classique du super-héros, un milliardaire qui utilise ses pouvoirs pour combattre le crime. Et pour terminer sur des projets officiels mais avec aucune date de sortie, on a eu la révélation du titre du troisième film d'Ant-Man, Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Et évidemment, courant 2023 aussi, on aura probablement les Gardiens de la Galaxie. Volume 3. Un gros calendrier de prévu, beaucoup de films, beaucoup de hype. Vraiment, je pense qu'on va en prendre plein la gueule, surtout cette année. Déjà, dans deux jours, on a la série WandaVision et croyez-moi, je vais torcher les théories, torcher les analyses. Vous allez bouffer ça pendant toute l'année. Vous allez plus rien comprendre. Il y aura des vidéos analyses toutes les semaines. Ça va être insupportable. Enfin bref, très content, très hype du retour de Marvel dans nos salles de cinéma et sur le Disney+. J'espère que cette grosse vidéo info vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager autour de vous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. C'était votre Captain. Ciao.